Tiens, regarde, tiens, je te jure, c'est là. Oh, vous deux là. Oh, vous deux là. Oh, hey. Oh, oh, Boubacar, une Guyenne. Hey, je m'excuse de vous déranger dans votre conversation au coin du bar, mais la prochaine fois, vous irez au bar du coin. D'accord. Il serait grand temps de rhabiller le petit. Non, je dis, il serait grand temps. Bon, je traduis. Les consommations, c'est comme les cartes de séjour. Il faudrait peut-être penser à la renouveler. Ça va, pas passer par quatre machins, hein. Mais les étrangers, plutôt qu'ils viennent nous emmerder ici, il faut mieux d'aller s'emmerder chez eux, hein. En plus, c'est pas loin, en avion, c'est à 3 heures de soute. Ouais, j'y sais, moi, quand j'y vais 15 jours, quand je reviens, je suis tout bronzé. Enfin, quand je vois la gueule que ça me fait, ça me donne pas envie de partir, hein. Attendez, je vous vois là-haut. Je suis pas raciste, hein. Je suis pas raciste. Je m'appelle Mohamed. Mohamed Ben Zawak. Z-A-W-A-K. T'as rien qu'avec mon nom, Scrabble, tu fais 50 points. Et j'ai fait un mariage blanc avec une Polonaise qui travaille au noir. Et j'habite Villejuif. Alors si ça, c'est du racisme. Mais bon, ça va, tout le monde est d'accord pour le dire. Ça va, sur Terre, il y a beaucoup trop d'étrangers. Il y a beaucoup trop. Mais bientôt, ils sont beaucoup plus nombreux chez nous que chez eux. C'est vrai, ils se multiplient à une vitesse. Oh, à croire qu'ils s'envoient en l'air sur une photocopieuse. Et franchement, je connais pas la marque, mais vivement qu'il y ait plus de papier, hein. Attends, mais oh, ça va, je parle pas pour vous. Mais je parle pas pour vous. Oh, vous, Bacar, une vienne, je parle pas. Mais vous, c'est pas pareil, vous. Mais non, vous faites partie des meubles. Mais non, je parle des humains. Oh là là. Tiens, regardez, tiens, Boubacar, tiens. Regardez, Boubacar. Comme son l'indique, Boubacar est au chômage. Pardonnez-moi le pléonasme. Enfin, y a pas de boulot, y a pas de boulot, hein. Marque, je pourrais le prendre comme plongeur, il a déjà la combinaison. Bon, enfin, si c'est pour me piquer les fourchettes, hein, je vois, dès que j'ai le dos tourné, là, il me l'a dit, Daniel, le commis, dès que j'ai le dos tourné, pop, il me prend les fourchettes comme ça, hop, et puis avant ça, le dimanche, là, au puce, là, ils font des bracelets avec, ouais, je te dis. Et puis merde, on est entre nous, ouais. Et puis les choses, je les sens pas motivé, c'est vrai, oh, plus feignant qu'un, à part, non, je vois pas. Mais merde, il faut pas déconner, tu le regardes, là, franchement. Ah, tu peux me regarder, tu peux me regarder comme ça, hein. Oh, hey, franchement, t'as déjà vu un noir gagner le Tour de France, toi? Regarde, hey, monsieur, oui. T'as déjà vu un noir? Non, je vous pose la question, t'as déjà... Non? Non? Remarque, un noir avec le maillot jaune. Si avec ça, ils t'ont pas du boulot chez Banania. Oh, ça va, oh! Attends, je suis pas raciste, oh, oh. C'est eux qui sont noirs. Oh. Non, mais je parle pas pour vous. Oh là, ça va. Boubacar, une Guyenne, ça va. Oh, fais pas la gueule, Boubacar. Oh là, t'es chiant, je te jure. Tiens, allez, vas-y. Allez, je t'offre un verre. Tu veux quoi, hein? Allez, vas-y, c'est pour moi, hein. Un sandwich? Vas-y, c'est pour moi. Allez, vas-y. À quoi? Hein? Aux couilles d'éléphant? Aux couilles d'éléphant. Oh, c'est con, j'ai plus de pain. Mais je suis pas raciste, je m'appelle Mohamed. Mais merde, ça va, stop. Quand je vois un arabe, j'ai peur. Mais oui, monsieur, j'ai peur. Ah, j'ai pas dit que c'était tous des délinquants. Mais merde, mais faut les voir, là, leurs gosses dans mon café, ils sont là, rien foutre. Merde, ils vont même pas à l'école. Leur seule chance de passer en cinquième, c'est de voler une voiture de sport. Mais merde, et puis ils arrêtent pas de faire du racket. Mais ils arrêtent pas, genre, je crois, à Laurent Garros. Et moi, je leur dis, oh, casquette à l'envers. Oh, ça va, eh. Il n'y a pas écrit ramasseur de balles, hein. Ça va, je suis pas raciste, je m'appelle Mohamed. Mais merde, ça va, stop. Tiens, mercredi dernier, là, 3 heures du matin, ils m'ont tout pété, là. M'ont cambriolé, là. 3 heures du matin, vous vous rendez compte? Attendez. Je sais pas qui c'est, hein. Je sais pas qui c'est, mais franchement, hein. On m'a piqué 2 couscoussières, ils ont pas touché la machine à jambon. J'accuse personne, hein. Mais si ça, c'est pour une preuve, hein. Ben, je suis pas raciste. Je m'appelle Mohamed, et puis, ça va, on est entre nous, ça va, hein. Et Jean-Edouard, les 40 voleurs, j'ai pas vu le film, hein. Ouais, attends, ça va. Il faut pas déconner. Oh. Je te jure. Regarde, enfin, franchement, il faut pas déconner. Toujours, viens, allez, on est entre nous, là. Je me lâche, hein, franchement. Ils arrêtent pas de casser les bagnoles dans les parkings. Vous vous rendez compte que sur ma voiture, j'ai été obligé de mettre une pancarte. Il n'y a rien à voler dans cette voiture. Eh ben, je te le donne en mimine, Marcel. Le lendemain, il ne restait plus que la pancarte. Ça prouve bien qu'ils ne savent pas lire.
Et puis ça va. Et puis je comprends même pas leur langue. Comprenez-vous? Je comprends même pas leur langue. Alors déjà, je comprends pas l'arabe. Mais alors l'arabe en verlan. J'ai quand même pas installé un décodeur sur le babyfoot. Oh, ça va. Non, je suis pas raciste. Je m'appelle Mohamed. Merde, ça va. Franchement. Bonjour la provocation. Ouais, dans mon café, moi. Dans mon café. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? C'est quoi? Bon, les comptes, tenir un café par les temps qui courent. C'est pire que de descendre une falaise en rappel, il faut s'accrocher. 60 mètres carrés, merde, merde! Pourquoi voulez-vous que ça tombe sur moi? C'est plus de la fatalité, c'est du tir de précision. C'est de la frappe chirurgicale. Franchement, même dans mon café, tu mets un palmier, un marchand de tapis, on se croira à Marrakech. Ouais, bonjour la carte postale, hein. Oh là, ça va. Non, stop, ça va. Non, on n'est plus chez moi. Enfin, heureusement qu'il y a mon clébard. Hein. Ouais, il est bien, petit clébard. Hein, c'est un rock vénère. Vous connaissez pas? Alors super, rock vénère. Alors lui, j'ai dressé pour attaquer les roubignoles de tout individu d'origine suspect. Même moi, quand je passe derrière le bar, je me méfie. Je suis obligé de lui dire que je m'appelle Raymond, sinon on m'attaque direct. Mais, tiens, ça c'est vendredi dernier, j'étais chercher un brodo. Ah, je vais quand même pas servir toute la journée avec un slip en tôle, là. Ah, enfin, oui. Oh, bah, je l'aime bien. Il est sympa. Hein? Mon petit rock vénère, hein. Je l'ai appelé 74 B4. Ouais. C'est pratique, comme ça, quand je suis bourré, quand je rentre chez moi, j'ai déjà le code de l'immeuble, hein. Hein, Daniel? Eh, hey, c'est mon commis. Eh, hey, Daniel, tu le connais pas, la dernière? Eh, hey, Mohamed et Farid sont dans une camionnette. Qui c'est qui conduit? C'est pas? Eh ben, c'est la police. Ah, beaucoup rire. Et vous savez, dans la vie, il y a les cons et les méchants. Hein. Regardez-moi, je suis pas méchant. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Et alors, j'ai les doigts qui me grattent, ça va, non? Mais bon, ça va, la France, hein. Je suis pas raciste, je m'appelle Mohamed. Mais bon, la France, hein. Stop, la France. Pas déconner. La France, tiens. Ça, regarde, c'est ça la France. La France. Remarque, la France, c'est quand même le seul pays arabe qui est pas en guerre, hein. Hein? La France. J'en vois partout. Les arabes, il y en a trop. Tu tapes dans un arabe, il y en a trois qui tombent. Vous rendez compte? Même le matin, quand je me rase, j'en vois dans ma glace. Ah ouais, stop. La France. Moi, je le dis, moi. La France, elle part en sucette. Parce que la France, c'est nous qui l'avons construit. C'est Daniel, c'est le commis, il me fait chier celui-là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est la France, c'est nous qui l'avons construit! Deux! C'est mon père qui, tous les jours, allait avec sa gamelle sur le chantier pour construire le pays et mettre une pierre l'une sur l'autre. La France, c'est nous! Et nous qui l'avons construit! Deux! Et si c'est pas nous, c'est qui? Si c'est pas nous, c'est qui? Qui? Qui, vous? Une Guyenne? Ouais, qui se rapplique, ceux-là. Tiens, vous attendez, ceux-là. C'est vous qui avez construit la Guyane et construit la France. Ils font marrer, ils ont construit la France. Tiens, va ramasser des parpaings avec des baguettes, toi. De toute manière, vous mangez que du riz. Ouais, vous mangez que du riz. Et le riz, c'est une bonne chanteuse, mais ça constipe. Ouais, moi, je vous aime bien, ça va, faites pas la gueule. Oh, ça va. Oh, ça va. Oh. Moi, je vous aime bien. Ouais, je vous le dis, je vous aime bien, moi. Vous êtes discret. Vous, on vous entend pas. De toute manière, quand on vous entend, on comprend rien. Détends. Ouais, ça va, je rigole, hein, c'est pas du beau. Regarde ça, c'est les clients, ils se marrent, hein. Ils consomment, hein. Ah, je rigole, oh, ça va. Oh, ça va, stop, oh. Guyenne, oh, j'ai le cœur sur la main. Ah, regarde-moi, si un jour Boubacar, il se noie, je serai le premier à me précipiter chez moi pour lui chercher une serviette. J'ai le cœur sur la main, monsieur. Ouais, moi, j'ai le cœur sur la main. Tous les anges cotisent au Resto du Cœur. Tous les ans, je leur envoie des ouvre-boîtes. Hein? Tous les ans, j'envoie des médicaments en Somalie. Bon, d'accord, c'est à prendre entre les repas.
Et alors, c'est le geste qui compte. Tous les jours, je mange au McDo, monsieur et dame. Ouais, tous les jours, je mange au McDo. Si ça, c'est pas l'humanitaire. Ouais, tiens, tous les ans, ça me fait pleurer. Ouais, tous les ans, j'envoie de l'argent aux associations des femmes battues. Tu me crois pas, t'as demandé à ma femme quand elle sortira de l'hôpital. D'accord? Je suis pas raciste, je m'appelle Mohamed. Monsieur, je suis pour l'amour entre les peuples. D'accord? Mais enfin, si vous pouvez s'aimer ailleurs. Excusez-moi, j'arrête. Pardonnez-moi. Excusez-moi.